Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein. Alors qu'est-ce que j'ai dégoté sur Shein? Plein de trucs. À vrai dire, j'avais l'intention de passer une petite commande pour quelques ustensiles de cuisine. Et puis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que je mets le nez sur le site Shein, eh ben, je me dis « Ah, ça c'est bien, ah, ça c'est bien !» Et même dans les ustensiles de cuisine, j'y allais avec des idées, hein, je savais ce que je voulais. Ben, j'ai acheté plein de trucs que je voulais pas, enfin, dont je n'avais même pas pensé que ça existait. Comme quoi, des fois sur Shein, on est surpris. Alors, c'est un haul, vous allez voir, très orienté ustensiles de cuisine. Mais il y a aussi un petit peu de vêtements, sous-vêtements. Il y a un petit peu de make-up. Voilà, j'ai fait un mix de tout. Et donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. Je suis une fana de make-up et de cosmétiques. Mais... je suis une shopping addict et voilà, et même sur des choses dont j'aurais pas parié. Les ustensiles de cuisine, encore quelques semaines, j'aurais pas parié, mais bon, que voulez-vous. Si tu aimes, bah déjà abonne-toi si ça n'est pas encore fait. Déjà mets les petits pouces en l'air aussi. Et déjà rejoins-moi sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. J'y poste mes looks du jour, mes swatchs de palette et dernièrement mes assiettes, puisque je suis en rééquilibrage alimentaire et que ça peut donner des idées. Oui, alors je vous disais, j'ai eu l'idée d'aller sur Shein pour quelques ustensiles de cuisine parce que je suis en rééquilibrage alimentaire, je me suis découvert une nouvelle passion pour la cuisine et autant vous dire que je n'étais pas équipée puisque pendant plus de 40 ans, je me suis dit je n'aime pas cuisiner, donc j'ai jamais vraiment investi dans les produits, enfin dans les produits, dans les ustensiles de cuisine, je faisais avec ce que j'avais. Et puis là, je dois bien avouer que à force de cuisiner, il y avait des petites choses quand même qui me manquaient. Et du coup, j'ai pensé tout de suite à Shein. Je me suis dit, il y a tout sur Shein, donc je vais aller voir. Alors oui, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, mais bien plus encore. Alors, je vous réserve ça. De toute façon, il y aura un timer. Vous voulez pas tout voir, que vous préférez voir juste les vêtements, voir juste le make-up et voir juste la cuisine, eh ben vous aurez le timer, comme à mon habitude. On va commencer avec les vêtements, puisque... alors, j'ai pas acheté grand-chose. Vous allez voir, c'est assez ciblé. Mais bah, j'ai perdu du poids. Voilà, j'ai perdu 15 kilos et je dois bien avouer que... certains de mes leggings sont un petit peu grands et donc du coup et puis j'en avais aussi pas mal qui étaient vachement abîmés, donc je me suis dit je vais réinvestir. Je voulais principalement des leggings. Moi, je porte, vous savez, des leggings en tissu, alors un peu stretch mais pas tant que ça. Là, je voulais vraiment investir dans des leggings un peu galbants, vous voyez, bien. Alors, il y en a plein sur Shein. Il y en a peut-être même trop et j'ai passé un temps pas possible à chercher, à lire les avis, à regarder les photos. Je voulais pas que ce soit une matière trop fine, trop extensible. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de ouais, de galbant, mais en même temps de costaud. Et j'en ai trouvé plusieurs que j'avais mis dans mes favoris et finalement, j'ai craqué pour ce duo parce que au départ, quand je l'ai vu et que je l'ai mis dans mes favoris, il était à 20€. Il a été réduit à 15€, les deux leggings. Et les notes étaient très bonnes, donc je me suis lancée. Et effectivement, bah, je ne regrette pas parce que j'en porte un aujourd'hui. J'en ai un autre ici sous la main. Ils sont effectivement très épais, bien gainants. Je les ai pris en 1XL. Donc c'est à partir de... c'est 90% de polyamide et 10% d'élastane. Donc au départ, quand je les ai mis comme ça, je me suis dit « Ouh là là, ça me paraît un petit peu chaud ». Mais en fait, c'est bien extensible. Et surtout, c'est extensible, vous savez, sans que la matière devienne transparente. Parce que des fois, on a certaines matières comme ça, quand on les étire, elles deviennent transparentes. Et non, là, la texture est vraiment épaisse. Alors, il y a des petits liserés, il y a des petites coutures, des petits liserés. Bon, une fois porté, ça se voit pas trop parce que tout est vraiment noir. Il y a... alors ça, j'y croyais pas vraiment. Mais à l'arrière, en fait, vous avez une couture qui soutient bien le fessier. Je dois avouer que ça a fait son petit effet. Au niveau de la taille, en fait, c'est une taille haute et vous avez un bandeau qui est plus épais encore. Donc, ce qui fait que ça maintient vraiment bien la taille. Ils sont très agréables. Celui que je porte là aujourd'hui est très agréable. Ça fait comme un collant, vous savez, plus de cendonnier là, assez opaque.
mais plus épais et surtout plus galbant. Donc c'est exactement ce que je voulais et je trouve que le rapport qualité-prix est très bon parce que 15 euros les deux, surtout qu'en plus j'ai eu une réduction supplémentaire derrière, vous savez il y a toujours des petits codes. Donc voilà, premier article, c'est deux leggings, très très bien. Alors pour l'instant je n'en rachèterai pas, en tout cas pas dans cette taille là, mais au fur et à mesure de ma perte de poids peut-être que je serai amenée à en racheter des plus petites tailles, bien que ce soit quand même assez, assez élastique. Donc je pense que ça va me suivre pendant un certain moment et vu la qualité du tissu, ça risque d'être assez résistant. On va rester dans les produits gainants ou en tout cas dans les produits un petit peu... Je m'explique. De nouveau, je sors et de nouveau, je m'habille, voilà, pour être un peu sexy. Alors, toujours confort parce que quand je sors, c'est pour aller danser. Donc, moi, j'ai besoin de pouvoir m'exprimer et voilà. Sauf que j'ai des vêtements alors que je remets, je suis contente de remettre, mais il y a des petits défauts encore que j'aimerais cacher. Donc, je me suis décidée à acheter une espèce de petite combinaison comme ça. À mettre sous les robes. Alors c'est une combinaison pas trop longue, hein, c'est pas voilà, c'est mi-cuisse et alors j'avais un petit peu peur de ce produit là parce que j'ai déjà essayé dans le passé des combinaisons comme ça, mais où on est tout étriqué en fait. Alors oui, ça galbe, ça gaine, mais on est hyper étriqué, on peut pas bouger, etc. Moi, je voulais vraiment quelque chose d'assez fin. Et celle-ci, les avis étaient quand même assez bons, justement, pour... Et le gainage, qui était suffisant, mais que la matière était assez souple et assez... confortable. Donc je me suis lancée, pareil je l'ai pris en 1XL, alors c'est parfait au niveau de la taille, effectivement ça galbe bien, il y a le même effet des fesses derrière pour alors il m'arrive vraiment en haut des cuisses, c'est peut-être ça le problème, j'aurais bien aimé un truc plus bas, mais plus bas, bah justement, ce que j'avais essayé la dernière, enfin il y a quelques années, c'était vraiment au-dessus du genou et c'était pas, voilà, c'était pas confortable, c'était trop trop épais et trop trop dur en fait, le tissu était vraiment dur. Là, je voulais quelque chose de plus fin et ça répond. Il y a aussi le petit galbe néné, que plutôt pas mal, il y a des bretelles amovibles, bref, je l'ai trouvé très bien, sauf qu'après je me suis posé la question, parce que effectivement on est bien dans sa robe, on est gainé, etc. Mais quand vient le moment de faire pipi, comment on fait? Alors, il y a un petit trou à l'entrejambe. Mais c'est un tout petit trou, c'est un tout petit trou, je peux pas faire pipi là-dedans moi, enfin travers ça. Donc je me suis dit, certes, c'est bien de faire sa belle, mais si t'as envie de faire pipi, tu fais comment? Tu pars une demi-heure aux toilettes pour enlever et la robe, et la gaine, et... Non mais voilà. Bon, après je dis pas, hein, peut-être que une soirée où j'ai arrêté de boire pendant 3 jours, peut-être que ça vaudra le coup de porter ce truc-là, mais bon... Dites-moi, après, peut-être qu'on peut... Faudrait que je m'entraîne à faire pipi à travers ce petit trou tout... Bon, faut bien viser, quoi. Faut qu'il soit bien placé, faut bien viser, mais c'est pas impossible. Et puis alors, l'autre vêtement, enfin sous-vêtement que je voulais, c'est un soutien-gorge, mais vous savez, où je peux mettre des dos nus. Alors... J'ai pas de vêtements avec des grands dos nus, vous savez, les trucs. Mais j'en ai certains où on voit un petit peu le haut du dos, etc. Et moi, je porte principalement des brassières, parce que toujours confort oblige. Et les brassières, bah, ça vient en plein milieu du dos, etc. Donc, je voulais quelque chose, encore une fois, de confort, mais avec un semi-dos nu. Parce que les trucs qui tiennent tout seuls, les trucs... Toujours dans l'idée en plus de porter en soirée, donc quand je danse, moi je transpire beaucoup. Les trucs qui collent, à un moment donné ils collent plus, donc voilà, je voulais quand même quelque chose qui soutienne. Et j'ai trouvé celui-ci, alors qui est plutôt sympa parce qu'en plus il a le côté plongeant.
Donc si vous avez en plus un décolleté, il redescend assez bas. Et la lanière vient, on va dire, du dos, début de la taille à peu près. Alors, je l'ai essayé, nickel au niveau de la taille, je l'ai pris en taille L, celui-ci, parce que moi, je ne sais pas si vous savez, si vous m'avez déjà vu en entier, mais je ne suis pas bien faite, c'est-à-dire que j'ai le haut beaucoup plus fin que le bas. Donc, en bas, on est bien XL, 1XL, et en haut, on est plus L que XL. Donc, très bien au niveau de la taille. En plus, les bretelles sont amovibles, hein, celles de derrière, celles des bras, donc il n'y a pas de souci. Nickel au niveau de la taille. Le seul truc où je me dis qu'effectivement, alors, c'est pas une question de confort, mais à l'essayage, ça m'a gêné un petit peu, c'est-à-dire que les bretelles derrière, vu que c'est pour montrer un petit peu son dos, les bretelles reviennent vachement là, quoi, à l'intérieur du bras, pour laisser la place, bien évidemment. Et je sais pas, j'avais l'impression que ça me gênait un petit peu. En même temps, je vous dis, moi, je vis pour le confort, hein. Je suis pas là pour souffrir. C'est pour ça que les brassières, ça fait longtemps que j'ai un petit peu délaissé les soutiens-gorge, parce que ça, les baleines rentrent dans le bras, dans le... non, voilà, les bretelles tirent, font mal, bref. Donc je sais pas, j'essaierai, je verrai bien. Après, bon, si c'est juste pour une soirée, pour faire la belle, ça doit être peut-être supportable. Mais voilà, bon à savoir. Et puis surtout que pareil, il était pas très cher, et que au niveau de la qualité, je le trouve aussi très bien. Et le dernier article, c'est un pull, tout simplement parce qu'un jour j'avais envie de m'habiller en vert, et je n'ai pas de pull vert. J'ai des t-shirts verts. Enfin, j'ai pas grand chose de vert, remarque, dans ma garde-robe. Même en robe, j'ai pas énormément de choses. Mais je voulais un pull vert et j'en avais pas. Donc je me suis dit, il me faut un pull vert. Donc j'en ai trouvé un comme ça. Alors il est assez long, assez droit. Moi j'aime bien ces textures là, vous savez, les textures ce qu'on appelle ajourées, c'est à dire que vous n'avez pas vraiment de... enfin, faut mettre quelque chose en dessous, mais surtout en cette période là, là d'automne, j'aime bien mettre un t-shirt en dessous, alors t-shirt manche courte ou manche longue, ça dépend, et ce genre de pull ajouré par dessus. D'ailleurs j'en ai plein des comme ça, j'en ai des noirs, j'en ai des blancs, j'en ai même des grands que je porte un petit peu en robe, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Par contre, je les mets pas sans rien en dessous, hein, parce que sinon on a froid. Il est très bien, il est pas trop épais, il est d'un beau vert, un vert armé comme ça. Je l'ai essayé, il me va bien, il arrive un petit peu en dessous de la fesse, donc c'est sympa aussi à porter avec un legging par exemple. Je l'ai pris également en 1XL parce que je me suis dit, comme il descend assez bas, faut que ça enrobe le popotin. Donc voilà, et puis bon, c'est le genre de coupe, même si je maigris beaucoup, je pourrais le mettre tout le temps, il sera un petit peu plus loose, un petit peu plus large, mais ça c'est, voilà, je veux pas investir dans des vêtements trop ajustés, mais les choses comme ça qui sont adaptables à la morphologie, bah c'est pas trop grave. Et puis je vous dis, il m'a coûté moins de 9€, donc c'est pas la ruine. On va passer au maquillage. Alors il y a très très peu d'articles, vous allez voir, vous allez être fiers de moi. J'ai pris ce petit duo de pinceaux eyeliner, non pas que j'en manque, hein, des pinceaux eyeliner, mais j'avais l'impression que ceux-ci étaient très très fins, et c'est pour ça que je les ai pris, et effectivement ils sont très 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 fins. Le plus grand, il y en a un tout petit et un plus grand. Le plus grand est un tout petit peu mal coupé. Je ne sais pas si ça posera problème. Mais en tout cas, ça valait rien du tout. Et c'est principalement pour faire des liners. Alors, ça peut être avec un liner cake ou un liner gel ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout pour faire des liners quand je veux juste faire un petit trait très fin pour intensifier le ras de cils. Donc, et puis le plus petit peut être sympa aussi pour faire un ras de cils très très fin. Donc voilà, ça c'est pas grand chose. J'ai racheté ça, vous savez, les petites éponges pour nettoyer les pinceaux, parce que j'en avais deux. J'en ai une que je vais mettre à la poubelle parce qu'elle est toute bouffée. Elle est où? Elle est vieille, j'avoue, mais elle est toute, je sais pas si vous allez voir, mais la mousse, à force d'être lavée, tout ça, elle s'est désintégrée.
En plus, c'était pas ma préférée, celle-ci, parce que l'éponge est très aérée. Vous savez, il y en a des plus ou moins fines. J'en ai une autre que j'aimais mieux, qui est de BH Cosmetics, qui est un petit peu plus fine, un petit peu plus resserrée. Les alvéoles, on appelle ça des alvéoles d'une éponge, sont un peu plus resserrées. Et là, c'est encore plus fin. C'est la première fois que j'en ai une comme ça. C'était un lot de deux. Donc voilà, je vais pouvoir me séparer de l'autre et en avoir des nouvelles. Je me demande si ça, c'est pas mieux d'ailleurs que l'autre. Je sais pas, mais ça coûtait rien. Donc, lot par deux, encore une fois. J'ai repris ça. Alors, j'en avais un que j'avais eu sur YesStyle, je crois, ou Stylevana, peu importe. En tout cas, c'est un produit de K-Beauty. Et Shiglam en fait un. C'est un démaquillant pour mascara, vous savez, avec une brosse. Ça, c'est très, très efficace. En tout cas, celui que j'ai, c'est très efficace sur les... Bah, sur les mascaras waterproof, les mascaras qui sont difficiles en fait à enlever. Vous passez comme ça la brosse sur les cils, vous laissez un petit peu poser et après vous passez votre coton. Ça aide quand même vachement à enlever tout le mascara sans avoir à frotter les yeux et à s'irriter. Donc Shiglam en fait un, et ce qui s'appelle le Clean Queen Mascara Remover. J'ai presque terminé l'autre, c'est pour ça que je me suis dit je vais anticiper, parce que ça sert toujours. Alors, j'utilise pas à chaque fois, mais là je l'ai beaucoup utilisé, celui que j'avais, parce que le mascara que j'utilise en ce moment, c'est L'Oréal Telescopic Lift, et il est un peu dur à démaquiller, je dois l'avouer. Donc ça permet d'y aller plus vite. Donc on le testera, on verra s'il est aussi bien que celui que j'ai, parce que celui que j'ai était vraiment très très bien. Et alors j'ai pas pu résister, j'ai craqué pour un produit une des dernières collections de Shiglam. La collection Bisounours. Alors bon, j'étais fan des Bisounours. Je pourrais chanter la chanson, mais je vais pas... Non, je vais pas vous mettre ça dans la tête pour toute la journée. La collection en elle-même, toute la collection ne m'intéressait pas, sauf qu'il y avait vraiment un produit. Je me suis dit, il m'en faut un pour la collection. Et d'ailleurs, en plus, la teinte est super sympa. Ce sont les fards à joues. Pourquoi les fards à joues? Parce que regardez, c'est tout moutmout. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. C'est tout doux. Oh, ils sont vraiment trop choux. Ils sont vraiment trop choupinés. Non mais, enfin, j'ai pris la teinte Tickle Pink. Et je vous disais que c'est une teinte plutôt sympa. Alors, c'est un rose. Mais un rose un petit peu bois de rose. C'est pas un rose dont on a l'habitude, donc c'est pour ça que je vous dis que finalement je suis très contente de m'être laissée tenter par ce blush Bisounours. On va donc passer aux ustensiles de cuisine, et alors j'y allais pour deux trois petites choses. J'y allais principalement pour ça, des mini fouets. Oui, parce que c'est bien pratique les mini fouets, surtout pour faire les sauces, et que j'en avais pas. Moi, j'ai que un gros fouet, et voilà, ça c'était dans ma wish list. Ok, ils se vendaient par deux, donc je me suis dit allez-y, on en prend par deux, ça voilà, quand j'en ai utilisé un qu'il est au sage, je peux utiliser l'autre. Très bien, c'est ils sont bien quoi, c'est des bons petits fouets, comme il faut, comme j'imaginais, et donc ça, nickel. Le deuxième truc que je voulais, parce que je vous ai dit dans mes vlogs santé, bien-être, etc., que je suivais Amandine Léger, qui donne beaucoup de recettes, et quand elle donne des recettes, elle utilise des cups, et donc elle parle beaucoup pour les dosages en cups. Sauf que moi, j'ai pas de cup. Genre, j'ai des cuillères à café, mais les cuillères à café et les cuillères à soupe que j'ai, quand je fais le comparatif, c'est pas le même en poids que ce qui est donné dans les recettes. Donc du coup, je me suis dit, je vais investir dans des cups. Donc j'ai pris un lot comme ça de, il y en a combien, 10. Ouais, il y a 5 gros comme ça. Alors, c'est tout simple, hein, c'est des trucs en plastique, mais c'est pour doser. Donc il y a les petites cups comme ça, et puis il y a les petites cuillères. Une cuillère à soupe, demi-cuillère,
Et puis en plus, il y a tout. Il y a le, donc c'est la cuillère à soupe, la, le millilitre, la demi-cuillère à soupe, etc., etc. Donc ça, c'est assez sympa pour les recettes et avoir le bon dosage quand je suis une recette. Alors, c'était tout ce que je voulais. Vous allez voir, j'ai 15 autres produits devant moi. Pourquoi ? Parce que effectivement, au quotidien, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui pouvaient me manquer. C'était pas conscient, mais ça pouvait me manquer. J'ai notamment racheté, j'en ai déjà un, mais j'ai acheté un deuxième économe. Tout simplement parce que celui-ci, il n'est pas pareil que le mien. Moi, j'ai un économe tout simple, basique, etc. Celui-ci a trois lames différentes. Donc, il y a la lame économe normale, il y a la lame un petit peu effilée qui gratte et la lame qui fait des igouigoui. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais en tout cas, ça peut être sympa pour changer la forme des aliments qu'on veut. Si on veut plutôt faire du râpé, si on veut plutôt faire des lames. Alors, plus pour faire, enfin, pour travailler les légumes que pour éplucher. Pour éplucher, il faut utiliser la lame classique et puis basta. Mais c'était pas cher en plus. Et je, de l'avoir en main comme ça, je me rends compte qu'il est quand même bien costaud. Je sais pas si ça durera longtemps, mais en tout cas, il a l'air plutôt costaud. J'ai également acheté ça parce que on mange énormément d'avocats chez moi et je me suis dit pourquoi pas. Alors, oui, bah ça tient pas. Ça doit être pour le, je sais pas, pour le couper ou je sais pas trop. Et ça, c'est pour faire des tranches d'avocat. Alors moi, en général, je fais avec un couteau et ça fonctionne très bien. Après, je prends une cuillère pour enlever les petits morceaux que j'ai découpés dans l'avocat. Mais je vais essayer ça, on sait jamais. Alors, j'ai parlé de ma commande Shein à ma mère et elle m'a dit « ça c'est nul, ça marche pas ». On verra si j'arrive à le faire marcher. J'ai pris également un truc comme ça pour faire mousser le lait dans les boissons. Alors non pas pour faire mousser mon lait dans mon café, mais parce que je me suis mise au thé matcha. Et vous savez, le thé matcha, en fait, il faut bien le fouetter. Alors j'aurai maintenant mes petits fouets, c'est plus pratique qu'à la fourchette. Mais je me suis dit avec ça, c'est encore mieux, parce que normalement c'est un outil assez spécial pour faire le matcha à base de bambou là, où il faut fouetter comme ça pendant un petit moment. Mais je me suis dit ça ira beaucoup plus vite. Et puis comme j'ai pas le fouet à matcha, eh ben on va servir de ça. Je verrai si ça fait vraiment le job et je verrai aussi si ça fait vraiment de la mousse quand on utilise du lait aussi, tant qu'à faire. Alors celui-ci n'était pas vendu avec les piles, j'ai dû les rajouter, mais il y a certains appareils, la pile était vendue avec, donc ça c'est plutôt cool. Là on n'est pas dans la cuisine mais plutôt dans le nettoyage parce que j'ai des bouteilles en plastique réutilisables pour mon eau et où je fais aussi mon eau gazeuse, etc. Et pour les nettoyer c'est toujours la galère. Donc je me suis acheté tout simplement un truc en silicone comme ça qui va venir racler dans le fond pour bien nettoyer. Je n'avais pas ça il y a quelques temps, mais j'ai dû m'en séparer. J'avais un vieux goupillon, vous savez, pour nettoyer les biberons. Je dis vieux parce que ma fille a 14 ans, donc autant vous dire que ça fait longtemps que j'avais pas nettoyé de biberon, mais j'utilisais ça à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour nettoyer les bouteilles, et puis il était dans un état, donc je m'en suis débarrassée. Donc j'ai racheté ça à la place, je verrai bien si c'est plus efficace ou pas, et puis voilà, j'aurai des bouteilles propres. En parlant de bouteilles, j'ai acheté ceci. Parce que, alors je pensais qu'elle était plus petite. D'ailleurs, je me demande s'ils ne se sont pas trompés parce qu'il y avait trois tailles et j'ai pris la taille du milieu. Je pense que ça, c'est la grande. C'est tout simplement une bouteille, mais vous savez, pour mettre les sauces. Parce que, ouais, non, ils se sont plantés, ils m'ont envoyé la grande. C'est pas marqué dessus ? Non, c'est pas marqué la taille parce qu'il y avait S, M et L. Et il me semble bien avoir pris M justement parce que je voulais une bouteille comme ça pour mettre mes sauces salades
je mange énormément de salades et je les fais moi-même, c'est des sauces sans huile et à chaque fois, plutôt que d'en faire pour une part, bah, j'en fais d'avance, sauf que j'ai recyclé une vieille bouteille de je ne sais pas quoi, mais qui est pas pratique, et je me suis dit, bah, autant avoir un truc comme ça, que je peux mettre en plus au frigo facilement, qui, voilà. Mais, alors, 500 ml, non, c'est pas une 500 ml que j'ai pris, ils sont trompés, ils m'ont donné le grand format, moi j'en voulais une un tout petit peu plus petite, comme ça, et, mais bon, tant pis, hein, on fera avec. Et alors, l'autre truc que j'ai acheté comme ça pour les liquides, c'est un pulvérisateur à huile. Alors, c'est exactement le même que j'ai dans ma salle de bain pour les cheveux de ma fille, où on met de l'eau et pour qu'elle se remouille les boucles tous les jours. Sauf que celui-ci est un peu plus petit. On met de l'huile et on pulvérise. Ça évite de mettre trop d'huile. Moi, maintenant, j'utilise presque plus d'huile, sauf pour les pancakes, par exemple, pour huiler un petit peu la plaque, voilà, très très peu. Mais je me dis qu'avec un pulvérisateur comme ça, ça peut être déjà mieux éparpillé. Et parce que sinon, ça m'arrive aussi, notamment pour les pancakes, je mets un peu d'huile et après, je passe avec un sopalin. Mais là, directement, je pense que ça va pulvériser sur toute la plaque. La seule chose que je me pose comme question, parce que l'huile, c'est quand même un petit peu épais, et avec le temps, est-ce que le pchit va pas se boucher? Ça, c'est une petite question, mais on verra bien. Ça durera le temps que ça durera. Un autre ustensile qui me manquait vraiment, 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 parce que bah, j'utilise énormément de citron, des jus de citron pour mes sauces, pour mes plats, et je n'ai qu'un... En fait, je n'ai pas de presse citron manuelle. J'en ai qu'un qui est un presse-agrumes, mais électrique, et donc du coup qui est quand même gros, qui est difficile à nettoyer après pour juste un demi-citron, voilà, ça me saoule à chaque fois. Et à la main, je dois bien avouer que c'est pas évident. Alors je fais à la main dans un premier temps, après je racle un petit peu avec une fourchette, mais bref, il me fallait mon presse-citron. Là par contre, ma mère m'a dit que c'était très utile. Je veux bien le croire parce que à chaque fois je galère. Donc voilà, en plus pareil, en inox, il a l'air très bien, il m'a pas coûté bien cher. Et j'ai bah, très bien. Écoutez, je pense que ça va être très vite amorti. Un autre gadget, alors je l'imaginais un tout petit peu plus grand, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous disais, je fais des pancakes très régulièrement et puis je me suis mise à faire un petit peu des petits gâteaux. C'est surtout pour les pancakes auxquels j'ai pensé. Les pancakes, soit je les fais un à un, j'ai une toute petite poêle pour avoir la bonne taille, mais c'est long. Soit j'utilise une grande poêle, mais du coup, les pancakes, ils n'ont pas tous la même taille. J'en mets deux, trois, des fois, bon, c'est pas évident. Donc je me suis dit, je vais investir là-dedans. Parce que j'ai aussi une crêpe partie. Mais sortir la crêpe partie quand c'est pas le week-end. Le week-end, ça me dérange pas. Mais quand c'est pas le week-end et que je fais des pancakes, que ce soit pour moi ou pour ma fille, je me dis qu'un truc comme ça, c'est quand même plus pratique. Donc ça, c'est un truc en silicone qu'on pose dans la plaque. Et donc, du coup, bah, ça fait des petites parts. Ça fait des parts. Et alors, je l'imaginais un peu plus grand. Parce que du coup, les pancakes, ils vont être tout petit, ça va être entre le pancake et le blinis, vous voyez, les petits blinis, voilà, j'avais vu ça, alors j'y avais pensé, j'avais vu ça sur Amazon, mais c'était vachement plus cher, donc voilà, alors je sais qu'il y a des, parce que j'avais hésité aussi à acheter carrément une poêle à pancake, mais je suis pas sûre que ce soit très pratique. Si vous en avez une, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que j'hésite, comme on dit. Et alors, un autre truc qui va m'être utile, parce que des fois, c'est pas très précis ma balance. Une cuillère pèse cuillère. Alors, c'est ça qui était vendu avec la pile, donc c'est plutôt bien, parce qu'en plus, c'est une pile... Alors, je crois que j'en ai des comme ça, vous savez, c'est les petites piles plates... Alors ça, bah justement, pour mes sauces, pour les recettes où j'ai des petits, des,
même les épices et tout ça, parce que ma balance, elle fait pas les toutes petites quantités. Des fois, je vois bien que même quand j'ai 5 grammes à mettre, elle est entre, allez, entre, ouais, de 1 à 5 grammes. Ça oscille bizarrement, et j'ai l'impression des fois d'en mettre plus, et alors que ça n'avance pas en grammes, donc elle doit pas être très, très sensible. Ça, par contre, j'ai essayé, ça marche du feu de Dieu. Alors, faut bien le mettre droit, faut pas trop bouger, hein. Mais il faut bien le mettre droit et vous déposez votre sucre, votre huile, votre, enfin peu importe. Et vous avez sur le petit écran là le poids qui se met. Franchement, ça, je trouve ça très ingénieux. Ça coûte moins de 4 euros et je trouve quand même que c'est assez ingénieux. Et l'autre produit, le dernier ustensile cuisine. Alors ça, c'était vraiment très utile parce que pour tout ce qui est à hacher, que ce soit les oignons, les herbes, même pour mélanger les ingrédients pour une sauce où je dois mixer, je n'ai rien. Je n'ai que mon Thermomix, et mon Thermomix, en fait, je ne vais pas le sortir pour une petite quantité, pour un petit truc, pour, je sais pas, pour faire... Enfin, je le fais, mais pour faire un guacamole, pour faire un houmous, etc. Ça m'embête de sortir tout le Thermomix pour une petite quantité. Donc, je voulais absolument un mini hachoir. Et écoutez, j'en ai trouvé un plutôt sympa. Alors, pourquoi je l'ai bien aimé? Déjà parce qu'il est, il est électrique. Enfin, oui, il est électrique. Bon, alors, il se recharge. Donc, il y a le petit cordon comme ça pour le recharger. De toute façon, quand on en a besoin, on n'a pas besoin pendant 2 heures, hein, c'est quelques minutes. Mais ce qui était bien, je trouve, c'est qu'il y a 2 bols, 2 compartiments. Un vraiment tout petit, avec une lame pour les herbes. Ah ben, si je perds ma lame. Pour les herbes, pour l'ail, enfin, vraiment un tout petit. Et pour les sauces, pour peut-être le houmous, etc., il y en a un plus grand. Et là, il y a... double lame, et ça je trouve que c'est plutôt bien, franchement, d'avoir une double lame. Bon, les lames sont assez fines, je suis pas sûre que, bon, faut pas mettre des trucs trop, hein, mais ça m'a l'air plutôt pas mal, donc voilà. Ah bah oui, on a, bon, c'est pas un haut de vitesse, hein, on est bien d'accord, mais pour ce que j'en ai besoin, je pense que ce sera très bien. Donc, c'est vendu avec une petite cuillère doseuse et un petit truc pour nettoyer là. Écoutez, je pense que ce sera très bien pour ce dont j'ai à faire. Et alors, j'ai encore deux petits accessoires maison, mais qui n'ont plus rien à voir avec la cuisine. Dernièrement, j'ai une de mes prises USB qui a rendu l'âme, donc je me suis dit, il faut que j'en rachète une. Et écoutez, là j'ai trouvé une prise multi-USB. Dans ma chambre, en fait, j'ai plein de trucs qui fonctionnent à l'USB, et j'ai mis, en fait, une multiprise murale, mais des fois, il y a 3 prises, et des fois, c'est limite. Donc là, je vais avoir qu'une prise, et il y a 4 ports USB, donc là, je suis bien. Je suis bien. Et pareil, c'était pas très cher. J'ai trouvé que c'était pas très cher. Il y en a avec un seul, il y en a avec 2, avec 3. Je crois que 4 c'est le maximum. Je ne sais plus. Il y a peut-être plus encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouvais que c'était bien pratique. Et alors, l'autre truc, c'est un truc que je cherche toujours. Je ne trouve jamais. Et là, j'en ai trouvé un. C'est ça. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un mini tournevis avec les embouts pour ces mini tournevis, hop, donc avec une croix, enfin, comment on appelle ça, cruciforme, voilà, et l'autre plat, voilà, tout petit, pour les lunettes. Parce que à chaque fois, ma fille, elle me dit, oui, tu vas pas resserrer mes lunettes. Et même moi, les miennes, des fois, bon, là, je les ai resserrées, tout fonctionne bien. Mais à chaque fois, je fais ça avec une pointe de couteau, au risque d'abîmer les lunettes. Et d'abîmer les pointes de couteau aussi, parce que j'ai cassé des pointes de couteau en faisant ça, hein, aussi. Donc là, j'ai ce qu'il faut. C'est dédié. Alors, le tout, c'est petit.
c'est de ne pas le perdre, de le mettre toujours au même endroit. Comme il y a un truc pour l'accrocher, je me demande si je vais pas le mettre là où j'accroche mes clés. J'ai une petite boîte à clés et je me demande si je vais pas le mettre là pour être sûre de à chaque fois le retrouver. Est-ce que j'ai fait le tour de tout? Je crois que oui. Hein, c'est quand même incroyable, Chine. Alors oui, certes, ça durera peut-être pas des années, c'est pas un gros investissement, mais en même temps, ça permet de se faire une idée. Moi, en plus, les ustensiles de cuisine, c'est des ustensiles nouveaux pour moi, donc je sais pas trop si ça va me convenir, etc. Donc j'avais pas envie de mettre 15 euros, enfin 15 euros, si j'aurais pu mettre 15 euros là-dedans, ça me dérange pas, mais là, autant avoir pour 15 euros, parce que c'est le minimum hein, dans les super, enfin dans les magasins, j'ai regardé, j'avais commencé à regarder un petit peu. Mais c'est un hachoir basique. Limite si c'est pas celui à la main là où il faut tirer. Alors que là, il y a quand même les deux bols. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis voilà. Alors oui, on se fait happer par des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mais c'est ça le jeu aussi. C'est ça le jeu, ma pauvre Lucette. On se fait avoir. En tout cas, je suis ravie de mes achats. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué dernièrement. Surtout qu'en plus, il doit y avoir encore des offres là du Black Friday. Donc, est-ce que vous avez craqué sur Shein et sur quoi vous avez craqué? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, bien évidemment, j'espère que ça vous a plu. Alors, likez, laissez votre commentaire. Ça, c'est ce qui me fait plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!